Bonjour, ce dimanche, c'est un jour important. Nous votons pour le premier tour des élections législatives. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le fond du sujet, je vous rappelle que les horaires changent cette fois-ci. On vote à nouveau à 18h dans toutes les mairies, sauf à la mairie de Lille et la commune associée de Hellemmes, où on votera comme à la présidentielle jusqu'à 19h. Face à Macron et à toutes les attaques qu'il prépare, notamment sur le code du travail, sur la hausse de la CSG et bien d'autres choses encore, vous l'avez vous-même constaté dans la presse, il est plus que nécessaire d'envoyer des députés insoumises et des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Ici, sur la circonscription, vous avez un binôme de candidats de la France insoumise, en ma personne en tant que candidat titulaire, Hugo Bernal ici, ainsi que ma suppléante, Anne Conti, qui est, elle, comédienne et metteur en scène. C'est aussi une circonscription où nous avons fait 28,68% au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un excellent score. Il est de notre responsabilité, de notre devoir de rester groupés afin d'envoyer un député de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Restons groupés, c'est ça l'objectif sur la circonscription. Et pour ce faire, il n'y a qu'un seul bulletin de vote, celui de la France insoumise. Pour bien l'identifier, il y a le symbole, le FI, vous le voyez ici à côté de l'inscription France insoumise. Il sera présent sur mon bulletin de vote ainsi que celui de ma suppléante. Je serai un député au service de l'intérêt général et par conséquent à votre service. Je serai un député non pas du territoire, mais un député de terrain. Et je serai enfin un député de conviction. De conviction autour de notre programme, c'est ça qui nous rassemble, l'avenir en commun. Alors, le 11 juin prochain, n'hésitez pas, votez pour la France insoumise. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire reculer l'abstention et aussi aller voir mes autres vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. À bientôt!